One, two, Huawei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le dernier jeu Avatar, Frontiers of Pandora. Les frontières de Pandora. En gros, ouais, je suis un traducteur, frérot, vraiment, mais moi, je suis choqué. C'est pas une cinématique, ça. Donc, on peut skip, je crois que c'est un écran de truc ou je sais pas quoi. Bref, les gars, je crois que le jeu va être magnifique. On va jouer avec tout au maximum, man. Ok. Bon, à partir du moment où il y aura une cinématique, je vais me la fermer. Et je pense enlever ma tête. Ah, pas pour tout le reste de la vidéo, malheureusement pour vous. Et j'ai pas lu, frère, à l'intérieur de la tutelle des ambassadeurs partenaires dans l'école locale de je sais pas quoi, frère. Bonjour. Voyons la tutelle des ambassadeurs partenaires. Quand la RDA a découvert Pandora, elle... On ne peut pas découvrir quelque chose qui a toujours été là. Ah ah, Ré. On dit découvert parce que ce sont les premiers humains à être venus ici. Quand nous sommes arrivés, nous avons compris qu'il était possible de créer... des relations bénéfiques avec les peuples autochtones. Nous avons créé des avatars pour aider à forger des relations avec les Na'vi. Et quand vous finirez vos études, votre rôle en tant qu'ambassadeur sera d'entrer en contact avec les clans Na'vi et nous aider à créer ces alliances. Quelqu'un peut me dire comment on pourrait s'y prendre ? Ah, allez. La RDA peut partager des médicaments, des technologies et des connaissances. C'est exactement ça, Daylan. Directeur Mercer, nous avons étudié la mission de TAP comme vous l'avez demandé. Il a été de méchant. Pourquoi les Na'vi voudraient des alliances avec vous ? Ah, Ré. Calme. Tu n'as pas idée de ce à quoi ressemble la vie dehors, Harry. C'est sauvage. On vous a trouvé enfant quand votre clan vous a abandonné. On vous a donné un avenir. Un objectif. Notre clan ne nous aurait jamais abandonné. Built upon its slang. Matsmoke, tant. Je t'ai laissé garder cette babiole dégueulasse à la seule condition. Elle reste dans ta couchette. Tu parles mal, hein? You speak bad. You speak Comment bad. Ça? Tu touches pas ma pote. C'était à notre mère. Pas une babiole dégueulasse. Tu ne sais même pas ce qu'est un collier de vie. Harry? Ce n'est qu'une corde cassée. Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois accepter que ta mère t'a abandonné. Pardon, il m'a énervé, je voulais taper. Menteur. Tous choqués, quoi. Vous connaissez les règles. Pas de contact physique. Vous êtes privé de dîner. Directeur, s'il vous plaît. Mais... Manor, Manor, Tenzi, Angangnahu, Tam. Sa welunit solanimun, sa on awful auna kimulunge. Tu n'es pas supposé parler notre langue dans la base. Quand tu cries la nuit, Taylan, tu cries en Na'vi. Pourquoi tu prends toujours le parti de Mercer? C'est très bien fait. Le directeur Mercer nous a sauvés. Ils sont pas trop mignons, frère. Taylan, ils nous ont arrachés à nos familles. On dirait des chats, frère. Nous ne sommes que des pousses sans racines. On ne se souvient même pas d'où l'on vient. Mais on peut quand même grandir. Ici, sur Pandora. Ah, je ne me souviens même plus des paroles du chant de notre clan. Nous n'avons pas besoin des paroles pour le chanter. Un flot, ma foi. On ne peut pas les laisser nous arracher tout ce qui est Na'vi. On doit faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Na'vi. Nous sommes plus forts qu'eux maintenant. À mon Na'vi. Je l'ai senti en classe avec Mercer. On peut tout arrêter maintenant. J'ai une idée. Ouais. Bah, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et je dis, c'est des types, Oh, c'est des types. Oh, Makan et Kalku. Ils sont plus grands que nous à cet âge-là, frère. C'est une dinguerie.
Et les plus grands, bah ils... Bon travail, Taylan. Ils sont 3 mètres. On doit se dépêcher. Il ne nous reste que quelques minutes à respirer leur air avant d'avoir besoin de masques. Ou un peu moins que 3 mètres. On les a trouvés. D'ailleurs, le dernier film Avatar était ouf. Vous me décevez beaucoup. Vous avons offert cette vie privilégiée. Oh, tu me l'as offert. Et vous voulez tout gâcher. Ouais. On ne veut pas de ta vie privilégiée. Notre place est dehors. Non, vous nous appartenez. Ouais. Hein? Non. Non. On appartient... De tout ce que nous avons investi pour vous. On appartient à Tout-Puissant. Il est fou, lui. Nous avons sauvé, donné un foyer, ouais. Une identité. Nous ouais. avons déjà une identité. Et nous sommes Na'vi. Non! À mon Na'vi. Vous êtes ce que j'ai fait de vous. Oh non. Bah en même temps, c'est à chaque fois que tu chantes, frère. Il va s'énerver. Nous avons oublié les mots. Mais nous pouvons toujours chanter les chants de notre peuple. Ouais, The Voice Kids. Arrêtez de chanter. Je vous ai dit de vous taire. Arrêtez de chanter. Chez nous. Aonaka Nekelku. Ouais, on va Nekelku. Reviens, Harry. Pas un pas de plus. Ça, on m'appelle. Où va Nekelku? Arrête-toi! Non, il va tirer. Oh my god. Même Skina! C'est celle qui avait le plus de potentiel dans sa voix. Parce que moi, sans autotune. Merde. Niqué mon matos à cause de lui. J'suis énervé donc je tape. Ah, il voulait juste faire une. Je sais pas, un collectif d'enfants qui chantent là ou des adolescents qui chantent. Et moi je dis que c'était un bon projet, tu vois. Tant qu'il chante des messages d'amour. 8 ans plus tard, le Toluk Maktou et les Omoyak, bref, se soulèvent. Ils se sont soulevés contre la RDA. Et après, ils vont soulever la RDA. Ok, bon. C'est triste en vrai. Pourquoi il s'est fait shoot comme aujourd'hui, ça? Aujourd'hui, nous allons reparler de l'économie terrestre et de la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi on doit utiliser des armes humaines? On a grandi, frère. Alors, on en a parlé. Pandora est un endroit très dangereux. Et on n'a presque pas vu Pandora. Comment on peut savoir contre quoi on se protège? Cortez, je dois vous parler, ma femme. Fais chier, il est encore vivant, lui. Les ordres viennent directement de Hell's Gate. On doit évacuer Pandora. Allez vite prendre vos affaires avant. Oh my god. Que ce soit la panique. Quoi? On a perdu Pandora. Jack Sully, un ancien pilote d'Avatar, s'est retourné contre nous. Il a retourné les Na'vi contre nous. On aurait dû se méfier d'eux depuis le début. C'est nul. Vos affaires et retournez. Voilà, je voulais pas faire ça, je suis désolé. Les marionnettes, c'est terminé. Très bien, les enfants, rassemblez vos affaires. Hé, Cortez, je m'en occupe. Je voulais faire ça. Tu me connais, il me faut mon quota, les frères, il me faut mon quota. Après, je vous laisse tranquille pour le reste de l'épisode. C'est ma go. Mais oui. Ils s'en foutent, ils ont cru qu'ils allaient nous intimider. Ouais, entre là. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu seras en sécurité. La sœur va nous abandonner. Il n'a plus besoin de nous. Non, c'est pas vrai. Dépêchez-vous, cachez-vous vite. Laissez-nous partir. On peut leur échapper. Les voix sont très très bien, j'aime bien. Vous ne ferez pas un pas dehors. Il y a des soldats partout. C'est notre chance d'être libre. C'est votre seule chance de survivre. Mais, et vous? Vous allez dormir. Pendant un petit moment. Ce ne sera pas long, d'accord? Waouh, les yep! Oh, les yep! Avec des yep comme ça, faut dormir éternellement, frère. Parce que là, quand même, c'est pas possible. Parce qu'après, effectivement, on a dit la taille des queues, on a rien dit. Elles sont belles. Mais après, on a dit, ils sont grands. Ok, c'est ils sont grands.
Mais les YEP. Les YEP, c'est quoi ça? Visage. Ah, il faut me personnaliser. Hop, 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 hop. Franchement, je suis choqué. La personnalisation, elle est super réussie. J'aime beaucoup. Ben, je vous montrerai après ce que je fais. Du coup, ça, c'est ma goulée. Hey. Moi, je trouve ça bien. Je suis content. Pour l'instant, ça m'a l'air très bien tout ça. Après, moi, je vous avoue, je pensais à la base, ça serait un truc à la troisième personne. Hein. Je parle à l'époque où ils l'ont annoncé. Je pensais vous avoir perdu, que c'était fini. Et c'est pas plus mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que t'as dormi longtemps. Pendant très très longtemps. Mais je te vois flou. Wallatikame. Tu n'as pas le temps de l'examiner. Ceux qui peuvent marcher, ils marchent. Les autres restent ici. La RDA est partie, non? Et tu nous as laissés ici. Ceux qui viennent du ciel sont revenus, Sarentu. Sarentu. On ne m'avait jamais appelé comme ça. C'est bien ton clan. Un clan fort et brave. On pensait vous avoir perdu, mais cette marcheuse de rêve vous avait seulement enfermé dans une boîte. Je t'expliquerai ça plus tard. Mais pour l'instant, reste tranquille, ton corps va se réveiller. Ok, hop, 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 hop. Alors? Est-ce que tout le monde va bien? Je suis là. Nor et Teylan aussi. Tout va bien. Nous sommes sortis! Enfin! Ça arrive pour de vrai! Nous allons tous sortir! What? Ensemble! J'allais dire, c'est qui ce type? Différent ici. On est trop des types. La RDA approche, vous bavarderez plus tard. Vas-y, mange. Tu auras besoin de toutes tes forces. On a trouvé des rations dans la cantine. Il y en a encore. Enfin, je crois. Oh là là. Trouver la nourriture. Eh, c'est trop stylé. Où est Yefti? Est-elle ici? Alma a dû les envoyer dans une autre cryochambre. Alors? Ne me touche pas avec ça. Désolé, je... C'est par là. J'ai été formé à soigner des navires. Je vais devoir me baisser. Qui sont ces gens? Des hommes de Mercer? Mercer est là aussi? Hop, 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 hop. On va essayer de trouver de la boue. J'ai hâte qu'on soit dehors quand même là. Parce que bon, c'est pour ça que je joue à la base. Moi je suis là. Pour avoir des montures qui volent. C'est vrai, bye. Et alors? C'est quoi ça? Nourriture. Ok. Ah, c'est des trucs dans des paquets. Ah, j'ai rapté. Où ça me recharge ma life. Ok, merci. Il y a un truc à bouger. On peut y aller. Tout le monde là. Ah, moi j'essaie de courir et du coup on se prend le mur. Dommage. J'aime bien qu'on puisse un peu bouger la cam durant les cinématiques. Les enfants, ils sont vivants. Ah ouais, il y aura des cheats aujourd'hui. Cortez. Elle a toujours pensé qu'on faisait ça pour le plaisir et pas pour la guerre. On s'en débarrasse. D'où tu sors? C'est comment ça doit cavale. On va la voir. Merde, y'en a un là. Tirez un but sur les navires. Oh, les chiens. Avec vos petites portes de rien du tout là. Je vous dis. Pour l'instant, c'est propre. Hein. Juste grimper. Hop, 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 hop. Et hop, 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 hop. Voilà, puissance. Un coup de pied, c'est fini. Je veux sortir. Ils sont à notre os. Où sont-ils? Dans les campagnes. Ils vont
toucher. Non. C'est pas grave, j'ai pas peur. Wesh! Ça bouge vite, ces trucs. Ça bouge vite, hein, ouais. Allez! J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Par ici. Est-ce que ça va? Ça va. Et toi? Ça dit quoi? Tiens, prends ça. Une radio? Mets ça dans ton oreille. Il est réglé sur notre fréquence. T'as pas chômé. C'est gentil. Ils te cherchaient, toi. Mais ils m'ont trouvé. Tu dois partir. Vite! Attends! Quel est ton nom? Solek, l'un des derniers de mon clan. J'aimerais éviter que le tien connaisse le même sort. Continue, mais en silence. Allez! Bien vu. Franchement, tiens bon. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Il y a des soldats partout. Ça va aller. Respire. Cherche une issue. Tu crois que je fais quoi, mon petit rêve? Mon petit rêve, je vais me mettre à chanter à tout va. Oh, j'adore ces méchants là, les mechas, je sais pas quoi. J'ai hâte de les exploser, je te jure. Mais du coup. Solek, tu m'entends? Où sont les autres? Ils ont réussi à sortir? Je suis en train de les aider. Tu es en sécurité? Pour l'instant, je crois. Je m'occupe des autres. Continue d'avancer. Du coup, les armes de taille normale pour eux, c'est type de fou, en fait. Quand tu y réfléchis. Non? Je sais pas, je me dis c'est la logique, non? Pourquoi ils ont cryogénisé des navires? Merde. Arrête de regarder ça. T'as entendu, Harding? Il faut qu'on les retrouve. Attends, t'as entendu ça? Eh oh, les navis, vous êtes là? On veut juste parler. On a un cadeau pour vous. Un cadeau? Bonne idée. On a une petite brise sympa aujourd'hui. T'aimes vraiment t'écouter parler, hein? Hop. J'ai eu chaud. Des insectes plus gros que moi sur cette ville. Et ils ont la. Non, c'était tranquille. Passe quartier, que personne ne s'échappe. Et heureusement, les constructions sont assez larges, parce que sinon, on est un peu dans la merde. Il attend juste qu'on mette notre garde. Bon, c'est quand qu'on se bat, là? Le gymnase est verrouillé. Je vais trouver un autre moyen de passer. Fais attention. Je vais déglinguer la vitre là. Ça va être vite réglé cette histoire. Réparer. Non, vas-y, c'est rapidement réglé. Ah, ils sont là. Ils sont partout. Alors, moi, je suis du genre. Je sais pas pourquoi j'ai rejoint. Allez, c'est bon. Du jour à ne pas perdre mon temps. C'est bon, je suis sorti. Bien, maintenant va. Solek! Il s'est fait déglinguer. Merde. D'ailleurs, je crois que je devrais activer les sous-titres pour tout. Parce que là, j'ai activé que pour les dialogues, mais des fois, il y a d'autres trucs, non? On a dormi combien de temps? Là, vu Solek, l'état. Est-ce que tu m'entends? Arrête! Laisse-moi deviner, c'est le méchant dedans. Je te tiens. Vous avez quoi, Harry? Ah non, il est là. Bon. Pas la peine de s'inquiéter à son sujet. C'était sa sœur, la véritable rebelle de la famille. Assassin. Et regarde où ça l'a mené. Ils ont tué la sœur. Quel dommage. Ils auraient pu nous être utiles. Mais nous n'avons plus d'ambassadeur, Navi. Seulement des obstacles. Cours! Voilà!
Merci mon ref. Mais bon, j'espère que je l'ai pas laissé dans la merde. Oh, c'est de l'eau. C'est pas mal ça. C'est suffisant pour me rendre heureux. C'est de l'eau les frères, c'est de l'eau. Sans, ah oui. Est-ce que ça va? Oh, c'est pas passé loin. Solek? Solek! Ah oui, il fait le mec muet. J'espère qu'il est quand même pas. Hein? Waouh! Oh, c'est super beau, ça me rappelle Crysis un peu. La nature, de l'eau, des beaux graphismes. Crysis 3, particulier. D'ailleurs, j'attends le 4. Avec impatience. Oui! La lumière au bout du tunnel. Waouh. De toute façon, au début, c'est tout le temps une giga claque. Ils choisissent minutieusement la disposition. C'est très beau. Franchement. Mais j'espère qu'on peut nager sous l'eau quand même, qu'il y aura de l'eau un peu. Ah, je voulais voir si ça bougeait tout ça. Ah, ça fait plaisir. Et oh, peut-être que les autres ont suivi l'eau. La claque. Oh, ça fait du bien de voir du vert. Ouais, c'est grave de dire ça alors que là, on est dans un jeu, les gars. C'est un putain de jeu. Je dis, ouah, ça fait du bien de voir la nature quand même. Ouais, mais c'est bête, c'est pas la vraie nature en fait. Ouais. Encore la RDA. Que s'est-il passé? C'est des vaisseaux. Imagine, on pourra conduire les mêmes vaisseaux. Waouh! We can swim underwater! Ah, mais il y avait un truc sous l'eau là. Waouh! Ah, waouh! À défaut d'avoir un nouveau Far Cry, bah, on a un nouvel. Un nouveau jeu Avatar fait par Ubisoft. Écoute, ça se refuse pas, non? Super beau ça, mais. Oh là là, l'eau, j'aime bien l'eau. Tu me connais après, j'aime l'eau, j'aime toujours l'eau. J'ai jamais dit j'aime pas l'eau. Ça dépend en fait, ça dépend vraiment si elle est mal faite, j'aime pas. Si c'est bien fait, j'aime bien. J'ai commencé à taper mes frères, j'essaie de voir. Oh. Oh là là, la claque continue les frères. Essaie de voir. Ah! J'essaie de voir où est-ce qu'il faut partir. Ni mon ref! Attends, j'accide des cheats. Pour l'instant, j'ai juste mis stamina. Salut! T'es... Ah, aïe! Ah ouais, d'accord, t'es comme... Tu nages! Tu nages pas. Arrête. Tu nages pas. Bon, finalement, on va aussi activer la vie infinie. Parce que j'ai décidé que c'était mieux comme ça. Je cours. Aïe, je cours. Ouais, c'est quoi ces œufs là? Ah ouais, ils sont énervés là. Très énervés là, j'étais venu sur leur terre. J'étais pas au courant. Ok. Oh là là! Pardon, je suis énervé. Bah oui, mais en même temps, quand tu vois la tête de tout ça, là... Bouf. Oh, j'aimerais bien voir autant de nature dans la vraie vie, je te jure, c'est ça qui ferait vraiment du bien. C'est de voir de la vraie nature. C'est bien d'en voir dans les jeux. Mais... Hein? Oh. Bon, c'est par où, là, par contre? Je crois que c'est par là. Wesh, on dirait des trucs de Fortnite. I think it's about here. Because I checked the map and the map says it's ah bah c'est quoi ça? Ah, il faut s'accrocher. Oh, c'est bien. Pourquoi faire après? On fait quoi? Bon bah on saute d'ici les frères. Ça va, vu qu'on a la vie illimitée, on est bien. Ça doit être dans le coin. En fait, il faut retrouver des traces du frérot, là, Solek. Et aussi, suivre les débris, là, de la,
La RDA. Ah! C'est quoi cette merde? Ils m'ont fait peur. Je te jure, c'est des champignons en fait. Ouais, c'est pas la peine de faire ça. Ça disait station de carburant. Est-ce que je suis au bon endroit là? Je crois que c'est plus là, non? Hihi! Wesh. Là, normalement, on était un peu morts, c'est pas bon de dire. Par ici, près de l'arbre. Sors, Blek. Miskin. C'est bizarre comment il parle en saccadé. Sors, Blek. Tu vois enfin de quoi ils t'ont privé. Ton chez-toi. Tu ouais, m'as c'est sauvé. Vrai. Ils sont méchants, c'est vrai. Ils sont très tu méchants. N'es pas en état de te battre. Laisse-moi t'aider cette fois-ci. Ah. Ça, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Infinite Arrose. Voilà. Il te faut des flèches. Le bois des broussailles est souple. Tu en trouveras. Fais confiance à tes sens. Mes sens? Les humains ont besoin de lumière. Mais tu es Na'vi. Perçois la forêt comme moi. C'est-à-dire? Tu vois? Tu es ici chez toi. La forêt te parlera. Si tu l'acceptes, laisse tes sens te guider. C'est cool ça. Tu peux inspecter. Hein? C'est dingue ça. Ça veut dire de loin tu peux savoir. What is it? Je peux taper dedans? C'est bon, j'en ai. J'en ai beaucoup. Toi aussi, tu peux fabriquer des flèches acérées pour percer le métal humain. Oula. Oula, ça c'est pas bien, ça c'est les cheats. Alors, une chose à la fois. Tu es paré. Nous devons partir d'ici. Tu peux bouger? Le Dapophet. Le Dapophet. J'ai besoin d'une cosse de Dapophet. C'est... Je vais te trouver ça. C'est-à-dire... Ne t'en fais pas. Sur le rivage, il pousse près de l'eau. Tu parles de ça là, le Dapophet là? Ah, c'est ça. Bah je reviens mon ref. Commander un Uber, on va faire ça là. De dab au fait. Et ça tire là-bas. Je suis pas fou. Alors non, graphiquement c'est beau. Ils sont énervés eux. Oula, oula, oula. Faut pas que je me fasse choper là. Quand même. Attends. Du coup, est-ce que si je réactive des bails... Ok, c'est bon. Je vais voir si ça rebug. Bah, dans ce cas... Dans ce cas... Wow. Des soldats. Je suis votre ami, moi. Les soldats, ils sont où, là? Parce que j'avoue, eux... Oh. Mais c'est des ailes, ce qu'il y a derrière eux. C'est une sorte de carapace. Un martoreau jeune. Et ça, c'est quoi? Un martoreau. Ah, ça doit être la daronne, ça. Du coup, fais des soldats. Ça m'intéresse. Oui, mais non, mais non. Commencez pas! Commencez pas! Je crois que ça leur fait que dalle, ça. Ça leur fait que dalle. Les petites flèches! Et mince, alors. Moi, à la base, je viens pas pour vous, moi. Je viens pour aider mon pote. Voilà, voilà. Non, mais reste. Oh là 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 là, les problèmes. Non, mais eux, ils veulent se taper. Ils aiment se taper, j'ai l'impression. Ils ont besoin de violence. Tu mens pas ici, hein. Ok. C'est pas ça? Ah, Dapophet, en plus, c'est juste à côté. Attends, je peux viser, là, les cornes. Peut-être que c'est comme des points faibles. Allez, dégage. S'il te plaît. J'ai dit dégage. C'est grave quand même, hein. J'aime la nature. Vraiment. Mais là... Il faut que je fasse du dab, au fait. C'est bon. C'est ce qu'il faut, là. Il est à la station... Ouais, bah oui. Retournez voir. Solek. C'est pas Solek. Solek. Solek, j'ai trouvé le dab, au fait. Je reviens. Il y avait plus de soldats. C'est-à-dire? Wesh.
Oh, elles étaient mignonnes les plantes. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Oh non. Non. Il est blessé. Il ne se laissera pas capturer vivant. Scorpion 1-6, ici Bravo 09. AMP d'assaut. Ouais. Affiché dans le guide des chasseurs. Si tu veux. Ils ont... Oh, trop classe. Ça confère à son pilote une vitesse, une puissance de feu et un blindage amélioré. Amélioré... Encore, t'es gentil. Et je pense pas que les fléchettes fassent grand chose. On va ramener le navire pour l'interroger. On va voir ce qu'il sait. Là, c'est quoi ça? Faut que j'essaie de me mettre derrière comme ça un petit peu. Il y a quelque chose de fait qui sera énorme ou affreux. C'est sûr. Oh. Oh, je voyais le mec dedans. Aïe! Mais ouais, c'est Dex qui m'a fait là. Faut que je remonte. Je pensais qu'il y avait une sorte d'élimination qui était possible. Mais ça veut dire que je peux les porter ou pas, eux? Oh, la grande classe. Tu le vois à l'intérieur un peu, ce chien? Trop ça, frère. Tu jures, tu tapes les ennemis, tu les vois voler. C'est dingue. Moi, j'aime ça. C'est comme ça qu'on se soigne. Maintenant, il va faire du bab. Il me semble qu'il faut aller voir un kiné, normalement. Tu n'as pas de collier de vie. J'avais celui de ma mère, mais ils me l'ont volé. On doit corriger ça. Pour l'instant, c'est banger, hein. Oh, attends. Et je fais quoi maintenant? Faire. Du dab, en fait. Tu dois redécouvrir tes racines, Sarento. Et avant tout, Sarento. Rejoindre la résistance, mais prends garde. Ces humains partagent nos ennemis, mais nous sommes différents. Non, non, non. Ils sont trop proches. Va, je te retrouverai au camp vers la cascade. J'allais dire qu'il n'y a pas longtemps après le film Avatar, je me disais, ouais, faut que je joue au jeu Avatar. Il y en avait un ancien, moche. En même temps, c'était à l'ancienne. Et bref, je suis bien content. Mais est-ce qu'il aurait mieux fonctionné s'il serait sorti juste après Avatar, le film? Est-ce qu'il aurait mieux fonctionné ou pas? Je sais pas. Peut-être un peu. Mais bon, c'est mieux qu'il sorte après. Ça arroche pas les développeurs, tu vois. Alors, je dois aller là. Ah, mais non, ça c'est un repère que j'ai mis tout à l'heure. Parce que j'essaie de me repérer, tout simplement. Alors, ok, là c'est là-bas qu'il faut partir. Voilà. Moi je préfère mettre des points directs, comme ça après je me repère plus facilement. C'est quoi ça? Pièces détachées. Je pense qu'avec ça on pourra construire des petits bails, non? I think so. Déjà on peut voir ce qu'on peut faire. Ah bah j'ai check et pour l'instant pas grand-chose. Je pense que pour l'instant on peut pas encore craft et faire des bails comme ça. Ok. En tout cas, ça va. Le jeu tourne bien. Il est très joli. Voilà. Pourtant, vous connaissez. Moi, je suis un mec... Je suis à cran sur les graphismes. L'aspect technique. Mais tout le temps tout à fond. Et bref, juste pour dire... C'est Hajar le top. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Bon. Est-ce que c'est... Contourner comme ça, oui, il faut faire quoi là? La cascade. La base de la résistance doit être là-haut. Allez. J'aime bien, ça me rappelle Fortnite, ce petit truc là. Ah, mais après, comment on fait pour arriver au-dessus au niveau de la cascade? Je pense pas que je devais passer de l'autre côté là-bas. Je sais pas trop. Ah, il faut tirer sur une liane grimpante. Merci, c'est très gentil. Aussi, c'est super appréciable, les mecs qui ont fait les cheats rapidement. Le jeu, il est sorti dans la nuit, frère. Donc le mec, il a pas nice. Enfin, après, avec le décalage horaire. Je pense que c'était des mecs aux States ou je sais pas où, là. Et comment on fait pour passer, là? Et du coup, ouais, juste pour dire...
Ça tombe bien, moi ça m'a arrangé du coup. Les mecs, ils ont fait ça rapide, you know. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Comment on fait? Ah, on peut genre... Ah, on peut comme courir sur les murs ou... Des déplacements latéraux. C'est quoi ce petit truc là? Wow. Oh non, c'est joli. Mais c'est bizarre un peu, tu vois, on dirait il y a un petit filtre sur l'eau, tu vois ou pas. Ça enlève un peu les détails des réflexions, tout ça. Oh, il y a un mode photo, wesh. J'ai le top, ça va faire des bons trucs, je pense. Ok, donc c'est par là-bas qu'il faut partir. Hop, 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 hop. Mais ils sont trop mignons, eux! Pardon. Je peux éclater ça? Je pense que oui. Quartier général de la résistance. Salut! Est-ce que t'es un connard, toi, ou c'est comment? Non, apparemment, c'est pas des connards, sinon, je les taperai. Ok. Ils sont en train de cultiver des trucs. Des solutions biomimétiques. Exactement. Comme la voile dorsale des colosses soniques. La membrane d'ouverture qui leur permet de respirer. Ça fait des bails genre... de scientifiques, Zama. Font les mecs un peu techniques. Ouais, ouais, t'inquiète. Je comprends un peu ce qu'ils disent. Ils ont dit la racine carrée de ta mère divisée par 4. Waouh, c'est beau ça. Ah, mais elle est très bien la base. Elle est trop trop stylée. Hein. Moi, j'aime bien. Oh, regarde les arbres. Non, franchement, c'est très beau. Pardon. Bon, c'est par là. Effectivement, il y avait une entrée. Hop, 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 hop. On n'entend rien? On n'entend rien du tout, Priya. J'étais en train de me dire la même chose. Ça veut dire... ouais, attendez, attendez, je reviens. C'est ça? Jean pense avoir compris comment régler ça. C'est fou, une nouvelle recrue. Je suis trop contente de te voir parce que bon, vous n'êtes plus très nombreux. Oh pardon, je suis désolée. Bienvenue au QG de la Résistance. Ouais, je sais. Oel Nyati Kamie. Elle est trop gentille mais maladroite, c'est ça? Quoi? Tu es gênante en avis. T'as capté ou pas? Tu es gênante. Gênante. Alors. Hop, 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 hop. Te voilà. Approche. Approche. Oh, ça s'est bien passé. Il t'aime bien. Ce qui... Tout va bien. Respire un bon coup. Oh. Elle était stressée, Zama. Salut. Je suis si content de te voir. On a entendu les tirs et Alma nous a dit de nous enfuir. Tu vas bien? Plus ou moins. Salt Lake m'a sauvé. Où sont les autres? Rinella et Nor sont sains et saufs. Rinella. Mais ils ont voulu rester dehors. Et Nor ne ils perd ne pas devraient Nor. Pas. C'est pas dangereux? Ne t'inquiète pas, vous êtes en sécurité. C'est le principal. Qu'est-ce qui s'est passé? La tape est en ruine. Mercer a ordonné sa destruction quand on l'a évacué. J'ai vu les murs s'effondrer. Ah. Sur vous. Je vous ai cru mort. Priya ben a entendu la RDA à la radio parler d'un signal à la tape. Je n'osais pas espérer. Ça fait si longtemps que ça? J'ai l'impression que vous êtes parti hier. C'est normal que tu aies cette impression. Mais ça fait presque 16 ans. Quoi? 16 ans? Alma. C'est pas possible. Quand même. Vous devez comprendre. Vous revoir tous aujourd'hui, vous n'avez pas idée de la joie que ça me procure. Je n'ai pas su vous protéger. Ouais, 16 ans, c'est long. Je ne ferai pas la même erreur, c'est promis. Écoute, prends ton temps. Raj va s'occuper de toi. Taylan connaît bien les lieux. Il te fera visiter. Tu es chez toi, ici. Tu verras. Bah, c'est gentil. Merci. M'attendez pas moins que ça. 16 ans.
Ça paraît irréel. Ouais, je ne sais pas... Je ne sais pas quoi en penser. Alma a raison. Nous pouvons vivre ici. Je le sens. C'est plutôt cool, non? On a plein de matos. Il est là-bas. C'est lui, Raj? Il est plutôt cool. Mmh. Je crois que les gens commencent à s'habituer à notre présence. C'est le mec, t'as le matos. Vous devez être Raj. Non, c'est Rajinder. Oh, désolé, je... Pardon. Alma m'a dit... Je connais Alma. Elle m'appelle Raj. Mais toi, je te connais pas. Je suis nouvelle. Relax, nouvelle. Je savais que tu venais. Tu as dormi longtemps. Tu dois être bien reposée. J'ai des vêtements propres pour vous tous. Alma a oublié de me dire que tu manquais aussi d'humour. Wesh. Parle un peu mieux quand même, parce que là, comment ça... Tu as besoin d'une nouvelle tenue? Aha. Oh oh. Harnais de chercheur de terrain. Harnais de chercheur basique. C'est stylé ça, sa coche. Des plans. Aha. Bon, on a un peu réglé ça, mon ref. Là, je pense qu'on a ce qu'il faut. On fait un peu nos courses, mon ref, si t'as capté un peu ce qui se passe. C'est ce qu'on aime cher ici sur la chaîne d'Ayoub. Prends soin de toi. J'ai tout acheté. Nous n'aurons pas de repos tant que la RDA foulera les terres de Pandora. Mettre une tenue Navi. Sarintu. Non. Sarantu. Sarantu. C'est Sarantu. D'accord. Bon, là du coup, il faut faire une. Il faut mettre une tenue. Du coup, je suis pas sûr, mais je crois qu'on a mis la bonne tenue là. C'est bon là. Moi, je crois que c'est bon. Sarensu. Vous. Je peux vous donner quelque chose en échange? C'est gratuit. Pour cette fois. Circonstances particulières, bien sûr. En général, on prend ce qui nous tombe sous la main. Si tu trouves quelque chose de bien, dis-le moi. Ah. Des vêtements Navi. Ils sont étranges, non? C'est-à-dire tout ce que j'ai déjà acheté. Je veux garder ma casquette. Et d'autres trucs. Et tester cette technologie. Tu dois absolument rencontrer Alex. C'est une sorte d'inventeur. Mais c'est que moi je préfère être habillé comme ça, Marc. Comme lui. Ouais, ça fait bizarre d'avoir quitté la tape. Mais tout le monde est très gentil ici. Faut qu'on parle à lui là. Oh. Ah oui, t'as vu la taille des guns, frère? C'est ça les guns qu'il nous faut, frère. Tu viens te ravitailler? Wesh, comment ça des arcs? Ah non, 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 hein! Ah non, 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 on va s'énerver, hein! Bref, j'ai pris tout ce qu'ils ont. Même si je suis un peu énervé. Taylan! Jouer des vrais arcs. Toujours dans les parages. Et t'es venu avec un autre navire? Alex est notre bricoleur. Il fabrique des machines pour la communication, l'exploration. Et foutre le bordel! Si mes réglages sont bons. Tu vois ça? C'est mon SID. Mon système d'investigation des données. Mmh. Il est plutôt cool, hein? Mmh. Adjir n'aime pas son nom. Mais il y connaît rien. Mmh. J'ai fabriqué ça en pensant au Navi. Pour qu'il puisse exploiter les technos de la RDA. Je l'ai fait à partir de plusieurs objets. Et de la tape? Oui, mais on peut l'enlever ou peindre par-dessus, si tu préfères. Je vais taper ton site si ça continue. J'ai demandé plusieurs fois à Alma de l'essayer. Mais on peut le tester, nous. Non? On pourrait? Ce serait amusant. Je peux en faire un pour chacun de vous. Vas-y, essaie-le. Prends bite. Prends bite? De quoi? Comment ça, mon ref? Tu vois, là, j'ai changé sa tenue. Je préfère comme ça, frère. Là, c'est carré! Il manque juste un gros gun. Par contre, je sais pas comment équiper le site. On va voir. J'espère qu'il va pouvoir repérer le problème de notre système de filtration. Tu vois les fils qui passent sous nos pieds? Tu devrais pouvoir les suivre jusqu'au panneau de maintenance. Tu veux essayer? Et après, on fait comment, là? Les données indiquent aussi une panne en haut. Sûrement ce fichu câblage. Jeter un œil.
L'outil devrait se caler sur la fréquence. Facile. C'est du gâteau. Oh, les gâteaux me manquent. Les gâteaux le manquent, hein. Bah, j'aime bien les trucs comme ça, mais ça sert à quoi? Alex, j'ai trouvé la panne, je crois. Un petit piratage et le système se réinitialisera. Tu peux le faire? Vas-y, comment on fait ça? Hein? Ça là, non? Je crois que c'est bon. Tu vois? C'est utile, non? Je l'ai dit à Alma. Ça, c'est notre avenir. Je dois dire que j'ai hâte de savoir ce que tu en feras. Ça fait plaisir de voir qu'il peut être utile. Mais je t'ai donné assez d'instructions. Alma est en train de réunir tout le monde. Tes amis sont toujours dehors, il me semble. Alors, retrouvez les Sarantou à l'extérieur du quartier général de la Résistance. Ils sont abrités près d'un feu dans une petite caverne sous le bâtiment. Je me demande si les autres... Vas-y. Il me demande, y... Aussi, j'ai fabriqué des fléchettes empoisonnées. Comment on fait, là, pour les équiper? Je sais pas trop. Ah, voilà, je les ai équipées. Ah, c'est pas empoisonné. Ça déglingue les armes. Ah ouais. Oh, ça me rappelle vraiment Crysis. Mais du coup, sans que les débris restent. Les débris restent pas trop malheureusement. Ah, ça déglingue pas tout non plus, faut pas abuser. Ok. Malgré tout, j'aime bien. Alors, moi je pense que ça doit être... Ça doit être en dessous l'anneau. Je sais pas où, mon ami, on va les trouver sûrement par là. C'est ça? On dirait que c'est ça. Ah! Ils sont là? Je suis peut-être trompé d'endroit. Aïe! Ouais, ouais, je me suis paumé apparemment, désolé. Bon, je vous dirai quand je trouve. C'est là? C'est par où? Je pense que je vais galérer alors que c'est rien normalement, c'est très simple. Ils sont juste là, frère. Te voilà! Taylan m'a dit que tu t'en étais sorti. Tu penses? J'avais oublié la sensation de la brise sur la peau. Le goût sucré de l'air. Le bonheur de ne plus entendre Mercer et sa culture civilisée. Je ne me souvenais pas qu'il existait autant de couleurs. Je ne connais même pas leurs noms. Nous les apprendrons. Nous réapprendrons les coutumes Sarentu. Pourquoi Alma ne nous a pas emmenés ici avant? Elle aurait pu aller à la tape plus tôt. C'était peut-être dangereux. Ça l'est toujours. Peu importe. On est libre. Je veux courir jusqu'à sentir la brûlure dans mes muscles et mes poumons. On pourrait partir. Là, tout de suite. Mais pour aller où? Là où on le voudra. Tous ensemble. T'en penses quoi? Toi, moi, Ritnella, Taylan, on pourrait vivre comme des Sarentu. Alma nous a fait venir ici pour une bonne raison. Elle réunit tout le monde à l'intérieur. Elle doit avoir un plan. Ne reste pas pour elle. Elle veut te contrôler, comme tous les humains. Non, pas tous. Alma a toujours veillé sur nous. Les gens l'aiment ici. Et c'est des gens bien, non? Ils ont l'air sympas. Ouais. Priya me prête même sa radio. J'ai l'impression qu'ils veulent nous aider. Allons voir ce que veut Alma. Peut-être que ça sera sympa. J'en doute fort. Nor, allez. Viens. Tout le monde attend. Ok, ok. Donne-moi une minute. La lumière est différente ici. Je veux en profiter. Du coup, je suppose qu'il faut retourner à l'intérieur, hein. Ouais. John Mercer, fondateur du programme TAP. Les Sarentu le connaissent bien. Il est tout petit. Beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais vu.
Il est revenu sur Pandora en tant que vice-président exécutif des opérations frontalières, aux côtés de votre vieille amie de la TAP, la colonelle Angela Harding, comme chef de la sécurité. Il est ambitieux, égoïste, égocentrique. Et vous l'avez aidé? On combat la RDA depuis plusieurs mois maintenant. Quelle différence peut-il faire? Les tactiques de Mercer sont brutales. Ça, plus sa frustration après l'échec de la TAP. Nous devons établir une stratégie. Nos tentatives d'alliance avec les clans voisins n'ont rien donné. Certains Aranahe étaient prêts à se battre. Mais après avoir subi des pertes, ils ont changé d'avis. Nous ne sommes pas allés plus loin avec les Essois. Ils sont forts, mais ils refusent toute alliance avec les humains. Ton clan abritait des voyageurs, des conteurs, des diplomates. Il était respecté. Les Na'vi t'écouteront. Alma, on a un pic de pollution pas loin. Genre vraiment tout près. C'est moi, j'ai regarde pété. Regarde le niveau, c'est forcément la RDA. Ils sont là? Mercer aussi? Non, pas lui. La pollution provient des engins de la RDA. Ils doivent installer un site de forage classique. Ils lacèrent la terre, l'empoisonnent, la souillent. Ils n'ont jamais été aussi près du QG. S'ils explorent les environs, ils vont nous tomber dessus. Il va falloir faire profil bas. So, Lek, tu peux établir un périmètre de sécurité? Anka, essaie de joindre Adjir par radio. Je pourrais saboter le site de forage. J'ai compris comment fonctionne le SID. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Laisse-la y aller. Je l'ai vu se battre. Ça va aller. D'accord, mais fais attention à toi. Les autres, préparez-vous à intercepter d'autres patrouilles. Laissez vos radios allumées. Prudence. Si la RDA te voit sur le site de forage, ils attaqueront. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Prépare tes flèches. Concentre-toi. Il y a des ressources près du sas principal. La RDA n'oubliera pas de dans le sas. Wesh, mon type, ça dit quoi? Je me demande si je peux trouver quelques pièces pour mon Samson dans les ruines de la base de Mercer. Pour son Samsung. Son Samsung. T'inquiète, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Ça va sortir les fléchettes là, les bonnes fléchettes. Tu sais les fameuses fléchettes qui font boum 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 boum. Alors, c'est par où cette histoire? Donc moi, je suis là. Et après, il faut partir là. D'accord. Vas-y, bah, je suis tellement paumé, je suis tout le temps obligé de mettre un point. Et il fait un peu moche. Ouais, je te cache pas, ça me fait un peu chier. C'est quoi ça? Tirer doucement. Délicatesse pour ne pas endommager les plantes. Ah, ça veut dire comme ça là? J'avais envie de faire n'importe quoi, mais au final, je t'ai quand même fait. Convenable. Ça va. Pourtant, j'y suis allé quand même bourrin, mon petit pote. J'ai pas envie de tout ramasser. C'est quoi en bas là? Des petites bêtes là? Non, c'est des petites plantes, c'est rien. Ah, c'est là-bas. Bon, bah on se retrouve là-bas. Ah ouais, d'accord. Non, on dirait que c'est cramé, frérot. Ah ouais. Ah ouais, bah oui, c'est totalement Priya, cramé. Je suis près du site de forage. Le sol ici est... Chaque fois que la RDA s'installe, c'est la même chose. Leur équipement pollue tout ce qui est autour. Tout. Mais Pandora est forte. Arrête-moi ces foreuses et la nature se remettra. Attends, j'étudie les plans. Tu les as? Avoir bossé à la RDA a ses avantages. Je rigole. Ils sont pas sympas. Il semblerait qu'on ait deux éléments. Une unité de refroidissement et un générateur. Probablement en bordure de site. Et l'équipe de la RDA? Alors, on doit pouvoir saboter le site sans avoir à les affronter, si tu préfères. Sauf s'ils devront faire, bien sûr. J'aime trop ce sens. Est-ce que tu crois que je vais perdre mon temps avec ces petits chiens? Ils sont en train de tout déglinguer aux alentours, donc moi je vais les exploser. Des explosifs, bah oui, forcément.
Oh, j'ai envie de les exploser, frère. J'ai envie de les taper. Oh là là, la violence. Tu peux récupérer son arme ou pas? Ils ont des armes qui tirent, là. Eh bien, elles sont collées à eux. Ah, les chiens. J'aurais bien voulu être un humain juste pour ça. Oh là là. Faut pas continuer de les taper. C'est dommage. J'aime la violence. C'est qui tire, là? Il est mort, lui, non? Pourquoi il fait chier? Hein, c'est toi, là? C'est toi qui fais du bruit. Tout ça pour ça. Trop mignon. Renfort! Ça va pas ou quoi, renfort? Il y en a encore des renforts. Wesh! On va faire un petit ravage. Attends. Toi, je te tape. Toi, je te tape aussi. Toi aussi, je te tape. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Faut que j'hack leur truc, en fait. Hein. Je suis là. Je me mets là. Et du coup, détruire le générateur. C'est ça, le générateur? Ah bah oui. Il y en a un autre là? Est-ce qu'il y en a un autre de l'autre côté? Juste comme ça. Refroidissement HS. C'était ça. On dirait une folle, ouais. C'était plaisant quand même à éclater, hein. Mais je veux les... Et je veux plus de bonhommes. Ramener plein de bonhommes. Pa 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 pa. Je vous tape. Pa pa pa. Tu vois? Je veux les voir sauter, frère. Pa 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 pa. Oui, la nature reprend le dessus. Même si les chiens, ils ont bien tout niqué. J'ai entendu cette explosion d'ici. La qualité de l'air s'améliore déjà. C'est cool. Ouais, c'est cool, mais bon. Ils prennent un peu trop leurs aises. J'ai détruit les foreuses. On est tranquille pour un moment. Alors, on a trouvé quelque chose là-haut. Une sorte de... Ah. Une sorte de grosse fleur. Les autres sont excités, mais... Je sais pas trop. Tu peux venir voir? Vas-y. M'a dit, est-ce que tu vois des papillons? Au nord-ouest de la tour pneumatique Echo. Oh, c'est beau, c'est le lever du jour. C'est magnifique. Vraiment, ah wow, pour le coup. Ah wow. Vraiment bravo. Je crois en fait c'est là où je dois partir. Ok, bon, ça va sauter ici. Hein. Après, je suis pas sûr. Et hop là. Un magnifique plongeon, ma foi. J'aime bien. J'ai remarqué, on peut plutôt grimper en fait, non? Enfin là, je l'ai fait avant. Mais je crois qu'on peut pas le faire sur tout... Ah, sur tous les trucs, tu vois. Mais je te jure que là, avant, j'ai... Je sais pas, j'y arrivais, frère. Tu vas dire, frère, oh, c'est du bullshit. Non, non, je te jure, c'est vrai. Enfin, bref. Voilà, j'ai grimpé. Waouh. Ils sont dans le coin, là. Ah, ils sont là-haut. Oh, j'ai l'impression qu'on va avoir une vue, là. Attendez, mais les reilles. Mais c'est ouf, ça, parce que... Hors rec, parce que quand je rec pas, je grimpe trop bien et quand je... Bref, laisse tomber. Ça a l'air trop beau. Cette fleur s'ouvre uniquement pour les Sarentu. Ils se connectent à Ewa. Après tant d'années... Ewa. J'en ai tellement rêvé. Ewa. Vous êtes sûr qu'on doit faire ça? Ça m'a l'air bizarre. C'est parce que t'en as jamais vu avant. Pandora n'est pas faite de câbles et de métal. Ouais, mais...
Tu crois pas que c'est peut-être toxique? Enfin, je veux dire, cette couleur, ça doit vouloir dire que c'est toxique. Ewa ne nous ferait aucun mal. Merci, on m'a dit de me méfier d'Ewa. On va se connecter ensemble, d'accord? En même temps. T'inquiète. Tu te fais un peu trop de soucis, mon rêve. Ah ouais, connecter leurs racines de cheveux, là, ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la marque que j'ai faite. Oh, tu me reconnais, mon enfant? Je suis Entu, l'ancêtre. Oui, le premier de ton clan. Les Sarentu parcourent Pandora. Nos histoires tissent des liens avec les autres clans. Tu es nouvelle, n'est-ce pas? Dans ce monde, connecte-toi au Tarsio quand tu as besoin de la sagesse de tes ancêtres et tu rayonneras. Mais avant tout, tu dois apprendre à survivre. La première fois que j'ai vu Pandora, c'est comme la première fois que j'ai regardé l'océan. J'ai vu une immense étendue. Jamais la même, toujours en mouvement. Mais tu peux la traverser pour voyager au loin. Ou bien tu peux venir t'y noyer. Pour survivre sur Pandora, tu dois apprendre à te déplacer comme les vagues. À bondir, à glisser. À évoluer avec la même énergie. Fais en sorte de suivre le courant et vis. Bien parlé, l'ancien, bien parlé. Tu sais que ça n'a rien à voir, mais ça me rappelle un peu le rituel qu'ils font dans l'univers de Black Panther pour communiquer avec leurs ancêtres. Ben, c'est le même principe, mais c'est pas le même... Bref, t'as compris. Ah, ça nous fait comme presque un double saut, pratiquement. Ok. Eh ben, je pense qu'on pourra tout améliorer ici. Regarde ce qu'on pourra faire là, frérot. La mémoire des guerriers Sarentu t'octroie la capacité d'arracher tes ennemis des carapaces dans lesquelles ils combattent. C'est bien ça. Lorsque tu dois te battre, l'instinct des monteurs Sarentu va te permettre de renforcer le lien avec ton Ikran. Maintenant, vous pourrez voler plus longtemps, surmonter de terribles épreuves et viser l'horizon. Trop stylé. Les guerriers Sarentu savent utiliser les attaques aériennes pour surprendre leurs adversaires et prendre l'avantage. Tu vas pouvoir aussi utiliser cette technique. Mais du coup, c'est ici qu'on vient pour les compétences. Mais du coup, est-ce qu'il m'a donné toutes les compétences là? C'est notre ancêtre, un vrai Sarentu. Vous pensez qu'il sait qu'on est différent des autres Na'vi? Je ne pense pas qu'on le soit. Nous n'avons pas grandi dans un clan. Nous n'avons pas entendu nos chansons, ni nos histoires. Seulement appris de ceux qui viennent du ciel. La mort, la destruction, la haine. Mais on fait toujours partie d'Ewa, non? Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans vos cœurs. Mercer dit qu'Ewa fait souffrir. Qu'elle assombrit nos cœurs et nos esprits. Qu'elle nous manipule et... qu'elle nous ment. Il voulait qu'on soit effrayés, pour nous faire taire, et pour nous contrôler. Voilà ce qu'est la vie d'un Sarentu. Cette connexion à la Grande Mère. C'était cool, j'aime bien. Mais franchement, même jusqu'à maintenant, ben, j'aime bien. Tiens, même j'aime beaucoup. Hey! Ah bah oui, j'ai des points de compétences à utiliser, mais j'aimerais bien moi après. Comment on fait pour... Ah, zizi. Mais j'ai rien dit, bah du coup. Bon bah, j'ai tout acheté les chais. Tout va bien de ton côté? J'ai quelque chose à te montrer. J'ai quelque chose de très cool. Enfin, pour moi, mais je suis sûre que t'aimeras aussi. Enfin, pas sans temps, bien sûr. J'ai pas pressé. Je suis en route vers le QG. J'arrive bientôt. Ok, ben je pense qu'on va kiffer. Bon. Alors avec le voyage rapide, eh ben c'est rapide. On va directement aller voir Priya. Vous êtes Priya? Faut bien vouloir. Comment tu sais? Il paraît tout petit, c'est une dinguerie. J'ai capté son signal radio. Jake a détruit un autre train de la RDA. Hardmore va. C'est à elle que je dois parler. Regarde-moi ça. C'est, tu vois où?
Nous contrôlons la qualité de l'air dans toute la frontière occidentale, ici et dans nos labos. Ça s'est vraiment amélioré depuis la destruction du site de forage. Nous étudions les effets pour essayer de les contrer, en repoussant la RDA si possible. Ouais. Sinon, ils vont massacrer cet endroit. Comme chez nous. La Terre ? Alma nous en a parlé. Elle t'a raconté toute l'histoire ? Notre planète, c'est fini. Elle se meurt. Parce qu'on ne s'est pas battu pour la protéger. Et maintenant, on se bat pour la vôtre. On va changer la donne ici, ensemble. Oh, celui qui espérait te voir aussi. Je lui ai promis de pas oublier. Dis-lui que j'ai pas oublié. Il se passe quoi dans ce camp ? Solek ! Reste calme et livre les pièces à Andrew. Parlez à Solek, il est dans la salle de maintenance. C'est pas ça. Ah, mais tu penses qu'ils ont des guns ? Besoin d'une arme ? Tu viens te ravitailler ? Ah, ils ont rien du tout. Et n'oublie pas, ne pointe pas tes armes vers toi. Nous avons manqué ces belles. M'a pris pour quoi ? Ouais, c'est une dinguerie ça quand même. Tu as assuré là-bas. Les humains t'ont aussi enseigné leurs armes ? Non. J'ai vu la RDA massacrer mon clan. Leurs balles déchiqueter leur corps. Ils m'ont appris comme ça. Je sais ce que ça fait d'être parmi les derniers des siens. Les humains. Ils sont comme leurs armes. Ils n'infligent que souffrance. Mais tes amis faisaient partie de la RDA ? Et je ne compte pas les laisser oublier. Mais ce n'est pas leur guerre. Ils se battent pour le souvenir de leur terre, mais nous, nous défendons la nôtre. Mercer a finalement eu ce qu'il voulait. Il a fait de nous des soldats. Tu n'es pas leur création. Tu es Na'vi. Tu apprendras ce que ça veut dire, avec le temps. En commençant par ça, je l'ai fait pour toi. Un collier de vie ? Comme celui de ma mère. C'est gentil. Tous les Na'vi en portent un. C'est le récit de ta vie que les autres verront. Pour que tu n'oublies pas. Le sien avait plus de perles. Chaque perle représente un grand moment pour son porteur. Je t'en ai mis une, pour l'instant. Pour commémorer tes premiers pas vers la liberté. Complète-le. Fabrique tes propres souvenirs. Ajoute des chants à ton cœur. J'espère que nous y arriverons. Rinella veut vraiment savoir ce que signifie être Sarento. Mais devant le Tarsio, Nor semblait confus, perturbé. Eiwa nous montre qui nous sommes, qui nous pouvons être. Mais elle nous rappelle ce qui a été perdu. Pour ton peuple, il s'agit d'un lourd fardeau. La sortie arrière est un peu cachée. Il y est peut-être. Cherche la trace de Nord. À l'extérieur du secteur de recherche dans le QG de la Résistance. Hop, 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 hop. Tu vas le trouver là, ce petit schnappant. Je ne comprends pas leur tentative. Je ne comprends pas. Tu as mis la mine. Laisse-moi t'aider. Mais wesh. Je croyais là, frérot. Il avait rien, l'autre. T'inquiète voilà, pas, dans leur boutique. J'ai tout pris, frère. J'ai construit pas mal d'extensions. Alors. C'est là, hein. Ouais. I think so. Où es-tu ? On va essayer de trouver des traces de pas. Réfléchissez au lien entre deux indices associés. Ouais, mais ça n'a rien à voir, là. On va essayer de le trouver. Oh, c'est trop beau ! Oh, la dinguerie ! Oui, on va chercher le mec, mais... Waouh ! C'est fluorescent ! Oh, c'est trop magnifique ! Non, là, ça me choque. Oh, en vérité, l'eau... Extrêmement bien gérée. Alors, à mon avis, c'est plus vers là. Il y a un truc, là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Commencer l'enquête. Nor a dû passer par là. Ok, alors... Nor a quitté le QG. Il est clairement passé par là. Une cosse éclatée. Il a dû la toucher. L'odeur ! Bien sûr ! Je dois la suivre ! C'est l'odeur du fiac. Priya, tu m'entends ? Je cherchais Nor près des falaises, mais j'ai perdu sa trace. On dirait qu'il a traversé une rivière. Je suis sûre qu'il est pas bien loin. Peut-être qu'il voulait juste explorer un peu ? Peut-être. Je vais continuer de grimper.
On sait que c'est un truc en mode bas de cave, il est passé derrière la cascade. Wouah, frère, même les palmiers. C'est dingue ça. En tout cas, si vous kiffez la vidéo jusqu'ici, mettez un petit like. Petit commentaire, tu me dis écoute, frérot. Continue à jouer. Continue à jouer au jeu, t'as entendu ou pas? Pardon! Il a pris une patate, lui, je sais même pas s'il va s'en relever. À mon avis, je suis bien sûr. Encore. Il fait flipper de fou cet arbre-là. Les jambignons. Oh là 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 là. Non, mais là, Ubisoft, vous m'avez mis. Wesh. Wow! Alors. Hey, Solek. Tu es là? Je crois que Nor est dans le coin. Tu pourrais peut-être lui parler de ton clan, de ce qu'il ressent. Solek? Alma et moi devons aller voir un des autres camps. On n'a plus de nouvelles. Tu as l'air inquiet. Ceux qui viennent du ciel continuent de s'étendre. Tu crois qu'ils l'ont trouvé? Pas grimper là. Solek? Je reviens sur mes pas là. Parce que je pense qu'il faut partir là-bas, mais comment grimper? Ah, c'est là. Mais je vois pas de fou, c'était tellement sombre en fait. J'étais en train de partir vers la mauvaise direction. Et en fait, c'est là. Voilà. Et après, pour grimper là-haut. Et bon courage. Et je dois redescendre. Hein. Et hop, hop. Ouais, et peut-être sauter vers là-bas. Mais je peux pas sauter assez haut. Par contre, il y a un saut chargé. Je savais pas du tout. Ça c'est cool, c'est bon à savoir. En vrai, je vous cache pas, il y a un chemin à faire et je trouve pas ça si facile. Enfin, peut-être parce qu'il fait un peu sombre aussi, du coup, je me suis paumé. C'est une possibilité. C'est où ça? En tout cas, une chose est sûre, c'est pas guidé et faut s'y retrouver tout simplement. Après, c'est pas plus mal que ça, mais parce qu'à un moment, je suis grave tombé, frère. Je me suis retrouvé de l'autre côté, carrément. Et vu que j'ai les cheats, tu tombes de grave ou tu meurs pas. Tu vois, donc bref. Oh. Ouais, les cheats, des fois, ça rajoute un peu de la difficulté. Ah ouais, tout ça, c'est juste l'intro, frère. Eh ben, l'intro est incroyable. Je pense qu'on va voler. Salut. Oh. Mais il est petit un peu, non? Il est bébé. C'est un bébé. Oh! C'est beau. Je sais pas si c'est un bébé. C'est trop magnifique. C'est quoi ça? Ah, j'ai oublié, il y a des trucs qui planent ici. Il y a des bails en l'air et tout. Oh, wow. Que pourraient se dire nos ancêtres en nous voyant ainsi? Tu penses qu'ils auraient pitié? Qu'ils seraient tristes de ce qu'on est devenu? Nous sommes toujours des Sarentu. Daylan parle à peine notre langue. Mais c'est vrai qu'il a toujours préféré les mots humains. Alma dit que nous avons seulement besoin de toi. Alma n'est pas Na'vi. Mm-hmm. Moi, je crois qu'il a la haine. Pourquoi la RDA est revenue ici? Ils n'en ont pas fini avec Pandora. Ils veulent toujours plus. Alors il faudra se battre. Oui. Ahari l'aurait également voulu. Ah ouais, d'accord. Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez, Alma a rencontré un problème dans le camp ouest. Et on a un blessé. Je t'écoute. Oh, enfin. D'autres unités de la RDA se dirigent vers eux.
Angry Man. Vas-y. Je vais rejoindre Nella et Taylan. On fera en sorte de protéger le QG. Ok, man. Il y aura de l'action. Moi, je pensais qu'on allait voler. Point de compétence. Temps restant. Ah oui, d'accord. Ah. On va où? Wesh. Comment... Aïe, 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 comment je vais faire pour arriver jusque là-bas? C'est dingue, ça. C'est par là? Oh là 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 là. Du coup, c'est par là ou... Je suis en train de me tromper, là. Mais tout l'endroit, il est... Il est... Il est... Ok, j'y vais, Priya. J'arriverai avant eux, je te le promets. Tu penses. Mais ouais, du coup, il n'y a pas de limite, c'est monde ouvert tout ça. Si c'est vraiment le cas, c'est une singerie. Wow. Après, tu me diras, c'est que de la nature, tout ça. Mais malgré tout. On va y arriver. Hop, 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 hop. Attends, ne me dis pas que j'aurais pu faire Comment ça s'appelle? Aïe, 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 aïe. Aïe. J'aurais pu faire voyage rapide. Si c'est ça, franchement, je me bute. Ah non, d'accord, bah oui, effectivement. Bon, je vous tiens au courant s'il se passe quelque chose sur la route, normalement. Bah, c'est possible. C'est possible. Wesh. Ça me rappelle les... Ah. Mon ref, j'essaie de nous sauver, là. Commence pas à me faire des trucs comme ça, là. C'est contre-productif. Hop, 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 hop. Je mets les bons trucs. Je sais pas pour vous, mais on sent quand même la next-gen, là. Quand même. Quand même. Il se passe des trucs, quand même, à l'écran, là. C'est... Ça s'agite de partout. Les beaux graphismes. C'est grand. Et encore, j'ai toujours pas une idée de la taille de la map, mais ça m'a l'air d'être... Ça m'a l'air d'être énorme. Arrêtez avec ça, vous êtes en train de faire des incendies! Les orages, les thunder. Ni ou pas. J'ai cru me foncer dans la gueule. Wesh. Alors. Putain, j'y suis toujours pas. Et je fais que de courir depuis tout à l'heure là. Allez, un raccourci. Un raccourci qui allait me coûter la vie. Voilà, t'es un cri. Mais là, ça y est, je me crois dans le film là. C'est quoi ce truc de fou? Les éclairs qui tapent à côté. Ah, mais c'est ça qui fait des incendies. T'as vu, des fois, c'est la nature. Moi, je pensais que c'était eux qui faisaient exploser des bails. Ouais, je vous fais de gaffe, là, j'allais vous exploser. Les frères. Bah oui, moi, je veux pas du mal. C'est ça que je dois suivre, c'est par là. Le tunnel, il est long! Il est long! Bordel! Oui, oui, emmenez-moi, emmenez-moi! Et on pourrait faire un giga jeu Tarzan ici. Un mode Tarzan. Ouais, ouais, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Ce serait dingue. Un truc pour sauter qui est pas mal. Ça y est, on y est, on y est. J'avais quand même envie de montrer, quand même, les chemins, you know. Ça reste de l'exploration. Bonjour, alors qu'est-ce qui pose problème par là? Les petits potes. Allez, me lâche pas. Oh non. Alma. Mais dis pas c'est Priya. Merde. Ah non, c'est pas Priya. Comment ils nous ont trouvés? On s'en bat les stocks alors. Aucune patrouille ne passe par ici. Ils sont en notre recherche maintenant. Oh,
attaquer. Ça va aller. D'accord. Écoute-moi bien. Ça va aller. Regarde. Tu as déjà vu ce genre de choses? Non. Nekrat, c'est facile. D'autres vont bientôt arriver. Il faut que je le stabilise. Alors fais vite. Il y a une raffinerie un peu plus loin. Je vais essayer d'attirer la RDA là-bas. Ne les laisse pas approcher d'Alma et d'Achir. C'est bon, tu vas y arriver. Je reviens vite. Tu es rassurant, mon ref, j'aime bien. Hein? Je vois d'autres soldats arriver, attention. Quoi? Où ça? Respire. Utilise au mieux ton environnement. Les sous-troupés tomberont dans des pièges. Ah. Ça m'a l'air des grenades, tout ça. Non? C'est des pièges. Eh ben, on va en mettre un peu partout. Barabara pipou papa. Ibarabibou papa papa para. Barabibou papa. J'ai laissé des munitions pour la fronde sur le toit du sas. Je sais que tu en feras bon usage. Barabibou papa para papa. Ça explose, mon petit pote. Je balance des bails et ça explose. Barabibou papa. Voilà, le ravion, il est foutu, ma petite gueule. Barabibou papa papa. Je vais en mettre un peu là, comme ça. Ah, mais attends, mais s'il y a des ennemis, moi, je veux que... Mais, frère... Laisse-moi aller voir les ennemis. Ah, merde, il y avait déjà un piège. Ah, bah... C'est un peu con, ça. Oui, bah oui, bah oui, bah laissez-moi les éclater, s'il vous plaît. Je veux voir des ennemis voler. Il vous attend, les... Oh, merde. Waouh. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on aime. Oh, c'est dingue. Ça part vite, hein. Aïe. Faut changer d'arme. Ouais, je suis... Arrête. Comment on fait déjà? Oh, mais je voulais même pas faire ça. Qu'est-ce que ça, mon ref? Comment j'ai attaqué comme ça? Ah, j'ai changé de bail. Mon ref, je suis largué. J'ai du mal avec les touches du clavier, là. Je te jure, c'est vrai. Allo. C'est dommage de ne pas les attraper. Ça, c'est vraiment dommage de fou. J'aimerais trop faire comme dans Crysis, comme ça. Ah. Et après, je les bats. Oh. Comment on fait? Revenir sur eux. Tu veux jouer? Allez, comment je fais pour les attraper, là? Tu veux voir plus? Mais c'était quoi l'attaque pour que je les explose? Je pense que c'est terminé. C'est pas le même mec. Ça, c'est pas le même mecha. Je voulais le sortir comme ça. Bref. J'ai besoin d'une trousse de soins. Il y a des réserves pas loin. Du matériel médical, au cas où. Je vais en chercher. Tiens bon. Alors, placer des pièges stratégiques, ça c'est fait. Alors, aider Alma. Trouver le matériel médical pour Alma. Il se trouve à l'est de la station de recherche de la résistance. Quand tu dis l'est, c'est-à-dire vers là-bas, d'accord, merci. Ouais, je suis désolé, c'était pas super satisfaisant là, ce que j'ai fait. Mais ouais, je te jure, j'ai un peu de mal. Je sais pas si je fais une erreur de jouer clavier-souris. Après, c'est un jeu à la première personne, tu vois. Je trouve ça joue bien comme ça. J'ai toujours été habitué clavier-souris. Ça va mal se passer. Je me fais tirer dessus. Voilà. C'est ça? C'est possible. Merde, hein, c'est des rations. C'est là-bas? Peut-être. Alma, j'ai trouvé le matériel. Ah! Plus vite. Fais vite. S'il te plaît, fais vite. C'est pas du matériel médical, mais c'est mieux. Je voulais commencer à tirer, mettre une cinématique. Ah, c'est pas un bébé, ça. Quoique. S'il te plaît, il y a un autre Nardi par ici. Il va m'aider. Ouais. Les explosifs sont prêts. Ça devrait suffire pour attirer les autres. Le camp devrait être désert.
Du coup, je dois retourner là-bas, rapporter le matériel. Ah, donc j'ai du matériel médical. Ok. Apparemment, c'était dans le même endroit. Apparemment. Bon. Je crois qu'il y a des mecs juste là, non ? Contact potentiel. Couvrez-moi. Couvrez-moi. Je vais aller voir. Salut. Laisse-moi te sortir. Laisse-moi te sortir. C'est quoi la touche, frère ? Merde, mais je sais pas c'est quoi la touche. Peut-être qu'on l'a pas encore eu, hein. Ah, il s'est pris un piège, pas mal. Ah. C'est dingue. Waouh. Moi, je kiffe. Est-ce que je peux déjà rentrer ou pas? Ouais, je sais pas, je suis un peu frustré sur le bail de l'attaque que je croyais qu'on pouvait faire, au final on peut pas la faire. Il y a beaucoup d'AMP. C'est la première fois que j'en vois autant. Ce sont les jouets préférés de Mercer. Tu as l'esprit vif. Je suis désolée de pas avoir pu t'aider. J'ai eu de l'aide. Solek a fait diversion. Et tu as vu cette merveille? Les Ikran sont sans peur. Et ils protègent farouchement leurs chevaucheurs. Un scorpion de la RDA ne fait pas le poids face à eux. Ah ! Marcheur de rêve et tototé. Vous combattez ceux du ciel sans aucune aide. Vous êtes courageux. C'était incroyable. La manière dont tu as détruit cette chose. Merci. Attends. Tu portes la marque. Tu es Sarentu. Les compteurs... Les faiseurs de paix. Mon père dit que ton clan a disparu il y a des années de cela. On vous croyait tous morts. L'esprit des Sarentu ne s'éteint pas si facilement. J'espérais seulement trouver la résistance ici, mais... T'as cru, hein? Il nous avait éteints. Je suis Etua, Sarentu. Ah ouais. De Aranae. Ouais, les Sarentu. Je connaissais ta mère. Je suis navrée. Notre maison souffre également. Ceux qui viennent du ciel nous envahissent et la terre se meurt juste sous nos pieds. Cependant, mon peuple, l'arbre maison, nous ne sommes pas des guerriers, mais la guerre est là. Mon père refuse toujours de se battre, mais il connaissait les Sarentu. Il vous écoutera. Les Sarentu, ils arrêtent. Il le faut. We shut down the place, you know. Il faut que je les ramène. Les autres, il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé. Bien sûr, je vais t'aider avec tes blessés. Mon arbre maison n'est pas loin d'ici. Dis-leur que je t'envoie. Mais ils ne pensent pas tous comme moi, alors s'il te plaît, ne va pas dire que je t'ai... aidé. Que les courants du vent portent ton esprit. Mais du coup, non, en fait, je suis trop con, j'ai confondu avec Star Wars. Soplek, le jeu Star Wars. Est venu m'aider. Il y avait un moment où on volait avec un truc, il était immense. Aranae. Elle m'a dit de venir à leur arbre maison. Peut-être mais eux, là, que d'autres Narvi vont nous rejoindre. Ça m'étonnerait. C'est la taille normale. J'ai déjà essayé, ça s'est mal passé. Leur chef, Kaanat, m'a presque jeté dehors. Il n'est pas facile à comprendre. Il n'a pas peur de la RDA? Vous avez reçu 300 jetons. Bah, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Waouh! Et les sauts, ils sont trop bien. Là, j'ai kiffé. Attends, on peut péter nos trucs? Non? Ah oui. Ah oui, 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 tu peux. C'est très sympa, les déplacements. Call of Duty, man! God damn it! Oh, look at this frag! So amazing! Bon! Du coup, regarde un peu. Nous, on est là. D'accord? On est ici. Look at the map. It is very, very big. J'ai l'impression on a vu 5%, frère. C'est géant! It's so big, man! Bon, j'avais envie de revenir à la base.
pour essayer de voir si ça vendait d'autres trucs, you know. Des bails d'armes, autre chose. Bon, bon, on a déjà ça, on vient à peine d'avoir ce gun, donc. Wesh, c'est quoi ce bruit là? Un bruit d'explosion, ma foi, un peu suspect, suspectement suspect. Bon, je vous tiens au courant. Wesh, c'est quoi ça? Wesh! C'est bon, je te laisse tranquille, frère. Wouah! C'est quoi ce délire? On ne court pas après quand même. Oh, mais eux, ils sont trop mignons, wesh! Comment je fais pour en adopter un? Hein? Et tu penses quand on aura une monture, on pourra l'appeler n'importe où? Ça serait bien. Et ça, techniquement, ça pourrait être une monture. You know what I'm saying? Casse. Hein? Il s'est fait niquer par qui? Qui l'a eu? Non, me dis pas, c'est ça. Frérot, c'est une dinguerie d'être comme ça. C'est toi qui l'as éclaté? Non. Mon petit bébou. Il s'est fait niquer. Ah mais c'est la loi de la jungle, hein. Littéralement. Je te jure, je crois qu'il s'est fait éclater. C'est quoi encore qui arrive là? Alors franchement, c'est stylé. Wesh, ils vont m'attaquer ou pas? Est-ce qu'ils sont gentils? Storm Beast. Ok. Lui, on sait qui c'est là. C'est... Là, c'est Martoro, ouais. C'est les... Ouais, c'est des rabat-joie, frère. Toi, t'es là, tu fais ta life. Et ils ont dit non! Ils ont dit, on va te foncer dans la gueule alors que t'es pas du tout hostile à la base. Oui, viens, viens, viens! Ah non, c'est pas les mecs que je pensais. Bref, regarde ça, je vais juste te montrer ça. C'est trop satisfaisant. Oh là, on dirait des instruments. On dirait des bambous. Merde, je peux les éclater ou pas? Si vraiment ça tombe... Ah non, ça peut pas. Merde! J'allais dire, ça me rappelle vraiment... Encore une fois, Crysis, tu vas me dire. Oui, c'est quoi ça? Oh. Oula. Ils sont juste là. Merde. Je dis pas qu'ils s'approchent de ma position. Niveau 4, hein. Yeah, Zebby. En fait, j'ai capté, j'en ai que une pour l'instant. J'ai que celle-là, tu vois? Parce que là, c'est un peu violet, tu vois? Donc, ça veut dire gelé. Les autres, je les ai pas encore. Et merde, faut, je crois, avancer dans l'histoire pour avoir le bail que je disais, là. Que genre, quand t'avances... Enfin, bref, quand tu viens vers les mecs, là, tu puisses les arracher. Oh non, les chiens! Oh, c'est vraiment triste à voir. J'ai juré, c'est triste à voir. Je vais vous niquer. Dommage, j'ai pas un truc pour augmenter le champ de vision. J'en ai pas l'impression. Voilà, tu as pris cher. C'est fini ou pas? Je peux le libérer? J'espère, wesh. Comment on fait? Ah, me dis pas, faut hack. Je viens de changer de... Oh! Je savais pas. Je pouvais changer de munitions pour ça. Oh, la dinguerie! C'est bon, je t'ai libéré, j'ai ouvert ici. Ne me charge pas. Ne me charge pas, s'il te plaît, je t'ai libéré. Merci. Ah ouais, Miskin, il a souffert. Comment tu t'appelles? Oh, c'est un Martoro jeune! Il est en train de niquer la forêt! Oh bah, je suis ravi! Bon, moi, il est épanoui. Mieux vaut un Martoro libéré. Épanoui. Wesh, mais ils sont partout. Et j'ai l'impression que je suis dans Gotham City, il y a des crimes qui se passent et je peux participer. Ou pas. Tu vois? Ben c'est cool, j'aime bien ça. C'est quoi ça? Ah c'est rien, c'est un dead end, ok. Frérot, je vais débarquer dans leur vie comme du n'importe quoi. Hop 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 hop. C'est censé être un truc explosif ça. Hein. Et pourtant. Oh tu sais quoi, ça m'a saoulé. Ressors-moi ça là. Et arrête de bouger là, bouge pas. C'est beaucoup plus efficace. Non, il est mort!
merde! Oh non! Bébou! Petit bébou! Ça veut dire que là, si je tire, ça sert à rien? Allez, ouvre! Ouvre et pars! Pars! Non! Ah, maintenant j'ai des grenades. Pour immobiliser temporairement les ennemis. Mais c'est avec ça, normalement, que je peux faire les trucs, t'as les attaques que je t'ai dit, les retirer, là. C'est avec ça. Ouais, quand même. Bah, c'est pas mal, en fait. Oula, oula, oula! Mais c'est des flashs ou c'est... Avertissement dissonance. Merde! Merde! C'est parce que je suis en train d'éclater. Avertissement critique, carrément. Oula. Ne me dis pas, c'est parce que là, je suis en train de manquer de respect à la forêt. C'est peut-être ça. Ils m'ont dit, ouais, écoute, ça va me désynchroniser comme sur Assassin's Creed. Royal, les navis, normalement, ils déglinguent pas la forêt. Donc, tu vas mourir, voilà. Voilà la taille de l'arbre. Et moi, je vous dis la vérité, là, hein, sans mytho ou quoi, les gars. Et les meufs? C'est ouf. Moi, j'aime bien, là. C'est très beau, je suis dans le truc, carrément. Je trouve l'univers énorme. Et j'ai hâte de pouvoir voler, quoi. Ouais, c'est quoi, ça? Une sorte de... C'est une entrée? Arbre maison. Bienvenue dans l'arbre maison. Comment ça va? Ça va pas, merci. Oui, ça va. Attends! Wesh. Je n'en ai jamais vu comme toi avant. De quel clan es-tu? Quelle étrange vision. Et toi m'as invité ici. Je viens des Hawao. Qu'as-tu sur le visage? C'est la marque des Sarentu. Hawao. Mais les Sarentu que nous connaissions n'auraient jamais défié Eiwa avec cette ferraille humaine. Je ne connais rien d'autre. Eiwa. Ils nous ont pris quand nous étions enfants. Ils ont pris tellement de choses. Tu es parti bien longtemps. Et tu es encore jeune. Ton esprit a-t-il été façonné par les Sotoute? Ou te souviens-tu des coutumes de ton clan? Allons, veux-tu ranger cela? Le regard vif. Un peu de décence. Digne des Sarentu. Mais plus intense. Bah oui, je suis vif. Laisse l'arbre maison te soulager de tes fardeaux. Elle a capté. Nous allons ajouter de la couleur à tes joues. Ou à ta tenue, tout du moins. Ici, tu vas renouer avec les coutumes de ton peuple. Laisse-moi tranquille, la vieille. Leurs histoires me manquent tellement. Ils aimaient récolter la soie, la douce odeur de la teinture. Mayantu. Kadnat, je m'occupe de la Sarentu. La pauvre enfant ne connaît rien de nos coutumes. T'es contrarié, t'as quoi? Nous parlerons quand tu seras installé. Fais ton greu, fais ton greu. Est-ce que c'est bon pour vous? Je dois retourner parler au père des Tua. Lui parler de la résistance. Plus tard, Mayantu. Il est notre Holo Hektan, le chef de notre clan. On va d'abord te nettoyer un peu. Ta vue pourrait effrayer un Antsik. Et puis, rigole. Je te déconseille de lui parler de ceux qui viennent du ciel. Ils ne sont que problèmes. Et Kanat n'aime pas les problèmes. Je vais plutôt te faire visiter. Hein? Tu veux bien? Commencé à tirer. Oh, cela fait une éternité que nous n'avons pas accueilli de Sarentu. Les tiens rendaient nos vies plus intéressantes. Une fois, ils nous ont raconté l'histoire du rare rituel d'accouplement des accrous géants. Apparemment, il peut durer des jours. Wesh. Mais je te raconterai ça plus tard. Notre grand arbre renferme de nombreuses histoires. Aïe. Il a vécu tant de vies, accueilli tes enfants. Ah, des yeux fouilles. Comme toi aujourd'hui. Et aucun Sarentu n'a jamais pu résister à notre danse des couleurs. On oublie qu'en fait ils sont grands. Viens voir mes tisserands. Koranu, mon ami.
Regardons ton œuvre. Magnifique soie, n'est-ce pas? Elle n'est plus aussi résistante depuis que les fleurs des Kinglor se sont fermées. Mais tu ne trouveras rien de mieux. Elle est bien plus solide que la laine de Zaklou, tu peux me croire. N'en déplaise à ces essois prétentieux. Koranu est une brillante tisserande. Elle t'aidera dans tous tes labeurs. Oui, j'ai besoin de me changer les idées. Ça fait des heures que j'y travaille et je ne suis pas encore satisfaite. Ça attaque la frange. Si je peux être tu franche, elle est nulle la frange. Parce que ma frange à moi. Regarde-moi, j'ai une belle frange. Tu vois, j'ai une petite frange un peu naturelle, tu vois, comme ça. Voilà, c'est propre. C'est pas elle là, elle a fait une frange à moi. Toute cette beauté. En parlant de ça. Tu t'es perdu peut-être. Ben moi je te suis hein. Je suis pas censé te suivre. Non. Reloon, tu as enfin décidé de me faire l'honneur de ta présence. Et avec une Sarentu qui plus est. Intéressant, tu ne trouves pas? Mais c'est quoi ça, âme perdue a guidé à travers les sillons rocheux de la vie. Le progrès t'attend, Sarentu. Ah, il m'en veut toujours. Si tu es futé, tu ne la laisseras pas te remplir la tête de soie et de teinture. Le goût est le cœur des Aranae. Reloun est un peu colérique, mais c'est le meilleur cuisinier. Et il le sait. Et voici mon ami, Kitangi. Mephika, tu prends déjà la jeune Sarentu sous ton aile? Il en aurait bien besoin. Oh, regarde-moi un peu ses vêtements. Lamentable. Aussi hirsute qu'une pousse griffue. Tu n'as pas hérité de la grâce de tes ancêtres. Eux savaient comment s'habiller. Désolée, je n'ai jamais rien connu d'autre. Qu'importe, tu brilleras de nos couleurs désormais. Tu ne feras qu'un avec la forêt, ma Yantu. Notre soie te sera bien utile. Elle est doublée de peau de Sturmbeast qui te protégera des dangers du dehors. Ou te rendra au moins plus dur à digérer. Sturmbeast, cet enfant s'est chassé. Jusqu'ici, je m'en sors pas mal. Pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Pensez-vous qu'on peut survivre pas mal? Oui, et tout est parti bon. Chasser. Je suis sûre qu'il saura te guider. Si tu arrives à le trouver, il y a un campement de chasse près de l'eau. Il sera là-bas. Mais ne perturbe pas sa chasse. Il en serait mécontent. Va, ma Yantu, et chasse respectueusement pour montrer à Kanat que tu sais y faire. Quand tu dis respectueusement... Rien ne presse, mon enfant. Tu peux partir si tu veux, mais si tu as besoin de te reposer, reste profiter de notre magnifique récolte de soie. Aucun Aranahe ne t'en voudra. C'est une recette très simple. Un Kametire pourrait la réussir. Le refou. Ça, on dirait une carapace de quelque chose. Ou des carapaces jointes. T'as capté ou... On dirait que c'est un peu ça, tu vois. C'est quoi, on dirait des fruits. Ça a l'air bien beau, tout ça. C'est bien beau, c'est bien beau. Est-ce que la soie, elle est bien ou... C'est comment? C'est pas là, la soie. Recevoir, c'est quoi ça? Tu cherches une amélioration. Oh... Arc long venimeux. Intéressant ça. Ah ouais, c'est faveur de clan. C'est par faveur de clan qu'on achète ici. Ah ouais, c'est pas... Prends bien soin de ton arc. Ouais, bah oui, bah c'est bon. C'est un coup de pression ça, carrément. Solek, je suis arrivée chez les Aranae. Tu... As-tu vu vous, Anne? T'avais raison à leur sujet. Pour elle. Mais l'une d'eux m'a accueillie, Nefika. Elle pense que je peux impressionner Kanat en lui prouvant que je sais chasser. Ils t'ont envoyé chasser? J'aurais dû t'enseigner cette aptitude. Ne t'en fais pas. Nefika m'a dit que l'un de leurs chasseurs pouvait m'apprendre. Iitu.
beaucoup d'efforts. C'est qui ça? Tu pourrais m'aider pour un problème que j'ai. Mais mon ref, déjà, t'es apparu comme ça, là. Alaymoun et Neyan, nos guetteurs. Guetteurs! Ils sont vraiment doués, tous les deux. Dommage qu'ils n'arrivent jamais à s'entendre. Toutefois, cette dernière dispute a l'air sérieuse. Ils disent pas Aha, ils disent Neyan Aha. Très tendu en ce moment. Aha. Un peu de diplomatie sarenkul ne leur ferait pas de mal. T'as capté parce qu'ils sont toujours en saccadés. Bref. As-tu vu Wuhan? Je m'inquiète. Sais-tu où se trouve Wuhan? Elle avait promis de me rapporter des colorants, mais elle n'est pas encore revenue. Je ne sais pas qui c'est. Désolée. De fou, je sais pas. Je ne peux pas me les procurer moi-même. Je n'ai pas d'Ikran. Wuhan a proposé son aide. Et si un malheur lui était arrivé par ma faute? Je peux la chercher si tu veux. Oh, vraiment? Elle aime cueillir près du bosquet ombragé. Tu pourrais demander là-bas si quelqu'un l'a vue. Vas-y, c'est des petites quêtes secondaires. Pam, 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 pam. Qui es-tu? L'arbre maison à mal. Pam, 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 pam. Oh là là, c'est beau, j'ai envie de partir par là. Waouh, les lumières, les effets de lumière. Oh là là. Non, ça, tout ça, on m'aurait montré ça il y a longtemps, j'aurais dit, mais... Tu mens, c'est pas réel. Mais c'est quand qu'on vole avec un oiseau géant, là? Enfin, pas, c'est même pas un oiseau géant, pardon. Mais bref, un oiseau, comment on fait pour voler avec un oiseau? Wesh, on dirait un palmier. Voilà, un palmier, ma gueule. Alors... Qu'est-ce que je voulais faire? Bon, Zibarou, qu'on va chasser. Parce qu'ils m'ont dit que je vais chasser, donc ça veut dire que je vais chasser. La bénédiction dit, ouais, ça veut dire qu'on a trouvé, et tout, le chasseur Arana. Commencez le pistage. Vas-y, on va essayer de suivre ça, là. C'est par où? C'est par là. Ah, je dois retourner là-bas, en fait! Ah non, ça m'a pas l'air d'être dans l'arbre, c'est vers là, ok. Ah, il y a Itou ici? Il est où? Il est où, Itou? Mais j'ai l'impression que c'est ça parce qu'elle a dit. C'est Itou? Ah, ils sont là. Ils sont difficiles à voir des fois. Enfin, je crois que c'est eux. Je suis même pas sûr. Ah, ils se trouvent en hauteur en fait. Ils sont dans cette sorte d'arbre. Ils aiment trop les arbres. Toujours dehors? Mais je sais pas. C'est vous qui devriez me dire quand même. I think he's up there. En plus, ça le disait, frère, dans le truc, non? Ah, c'est lui, là. Putain, moi, je le cherchais partout, j'ai juré. Alors? C'est pas ton clair. Ton Ikran est magnifique. Waouh! Pour ma Zomei, aucun vent n'est trop fort, aucun défi trop grand. Nous chassons avec le cœur, en harmonie. Tu viens nous admirer? Je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Non, je cherche Itou. Ainsi, mon nom est parvenu aux autres clans. Même ceux qui se sont éteints. Laisse-moi deviner, c'est Nefika qui t'envoie. Elle veut que j'enseigne la barbe. Rester paisiblement à l'arbre maison, à narrer des aventures aux petits. Que pourrait-il comprendre? Il veut de l'action. Que représente le danger pour ceux qui ne l'ont jamais connu? Zomei et moi, on parcourt les cieux. Nos cœurs palpitants, nos sens en éveil. C'est l'adrénaline qui nous rend forts, intrépides. Nefika m'a dit que tu chassais les Stormbeasts. Je peux venir? C'est bien cela que tu veux? Tu es une bonne chasseuse? On ne m'a jamais appris. Comment ça? Qu'est-ce que vous avez mangé pendant toutes ces années? Ton peuple a trouvé un endroit spécial où les animaux se laissent abattre paisiblement? Regarde. Nos jeunes chasseurs s'entraînent d'abord sur des cibles. Entraîne-toi, ou c'est les Stormbeasts qui te chasseront. Ok. Équiper et utiliser l'arc lourd. Est-ce que c'est celui-là? J'ai l'impression que c'est ça. Et du coup, ensuite, faut viser là. Au moins, tu sais viser une cible immobile. Tu te fous de ma gueule? Approche. C'est dingue, pas mal. Au moins, ton remerciement aura du sens. Mon remerciement? Vraiment? Comment vivait ton peuple? Quel genre de vie as-tu mené? C'est une longue histoire. Si je voulais écouter une longue histoire, je serais chez moi. Quand tu chasses, tu prends une vie innocente. Tu dois remercier le frère ou la sœur dont tu prends la vie et qui retourne auprès de la grande mère. Je te vois.
Ton esprit retourne auprès d'Aiwa et ton corps va devenir un avec le peuple. Merci pour tes présents. C'est beau. Ainsi, tu lui permets de rejoindre ses ancêtres. Bien, souviens-t'en. Et ne gâche pas les présents ainsi reçus. Les présents? D'accord. La peau, la viande. Tu sais quoi en faire? Ah, Nefika te montrera. Vas-y, tu n'as plus besoin de mon aide. Par contre, l'oiseau volant, là. Hop, 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 hop. Est-ce que je peux l'utiliser? Tu me le prêtes. Juste tu me le prêtes vite fait, ça veut dire. Moi, je suis là, je me mets comme ça vite fait, non? Ah ouais, oh là là. Ouais, c'est bon, j'ai capté. Tu veux pas de moi, tu veux pas de moi. Ok, ok, ok. Ok, donc là, on doit faire nos preuves. Je peux pister un Storm Beast et le chasser comme Itou me l'a appris. Utiliser le guide des chasseurs pour savoir où en trouver, d'accord. Alors, j'ai le Storm Beast. Alors, ouvrir l'entrée. Où est-ce qu'on peut le trouver? Mon petit ref, mon petit ref. Donc ça, c'est les points faibles, c'est au-dessus, là. Ah, c'est la sorte de crête ou je sais pas quoi. Tu vois, il faut viser au-dessus, là. Ah, mais j'en ai croisé, frère, ça, c'est pas rare. Mais oui, c'était sur la route, ben oui, ben oui, ben oui. Regarde, il y en a un juste là. Ça va être un jeu d'enfant. Il faut que je prenne l'arc lourd. Comment je fais pour prendre ça? L'arc lourd et l'arc lourd. Attends, mais c'est quoi, ça? Besoin de matériaux. Ah merde! C'est pas grave, on va prendre les trucs basiques, ça. Ça va le faire. Oula, oh, oh! Mais il a explosé? Non! Mais j'ai l'impression. Je te vois. Le pauvre. Ton esprit retourne auprès d'Aiwa. Et ton corps va devenir un avec le peuple. Merci pour tes présents. Mais je l'ai abîmé un peu, non? Skin. Ah si, j'ai visé en haut, ok. Mais après, j'ai l'impression d'avoir visé dans le fiac ou... Je sais pas, quelque part où ça explose. Ouais, c'est quoi ce bruit? Il y a un bruit de fou, frère, là. C'est quoi, ça? Je dois retourner là-bas, c'est où? Hein, faut retourner à l'arbre maison. Forcément, forcément. Non, mais en vrai... Ah, waouh! C'est très beau, c'est très joli! J'espère qu'il y a une autre entrée par ici quand même, parce que sinon il faut faire tout le tour. J'espère que cet arbre maison a été bien aménagé, bien pensé. Il y a des trous à l'arrière, des trous devant. Et sur le côté aussi à gauche et à droite et tout droit, et après c'est un rond-point. T'as gavé ou t'as gavé? Y'a pas. Je pense qu'on va faire le tour, bref. Dépêche-toi. Je n'ai pas le temps de parler avec des étrangers. Mais wesh, c'était Titiki, toi? Ceux qui viennent du ciel, près de la rivière. Ils agissent comme des nuisibles. Ils s'incrustent où ils veulent, ils ravagent tout, puis ils s'en vont. Oui, d'accord, ouais. Mais cette fois-ci, il n'y en avait qu'un. Seul, sur une petite île avec un grand arbre déraciné. C'est étrange, non? Est-ce que nous leur avons donné plus de courage? Seul, vraiment? Est-il toujours là où tu l'as vu? Oh, ce Totouté a vite compris. Après s'être fait chasser... Il a commencé à s'enfuir en criant. Ça m'a bien fait rire. Mais quand même, qu'est-ce qui a attiré un Totouté dans cet endroit? Totouté. Bah, j'en sais rien. Un vent d'amour. Eh ben franchement, t'as attiré mon attention. J'ai bien envie de voir, mais avant tout, je dois aller voir une meuf, là. Elle veut que je la voie, frère. Je te dis, c'est dégri, ça. Et c'est reparti. Mais t'inquiète. J'ai... un peu de viande de ma chasse. Nefika m'a dit que... Tu m'as envoyé cet enfant perdu pour m'embêter? Oh. Tout n'est que plaisanterie pour toi. Elle dit que tu es le meilleur cuisinier. Ah, c'est une vraie charmeuse. Elle aime bien rigoler. Enfin, un peu d'honnêteté, Nefika. Je suppose que ça fait partie de sa stratégie. Elle compte toujours sur la flatterie. Allez, viens, arrête de ronchonner. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Y a-t-il un problème avec votre arbre maison? Et Toa m'a dit qu'il souffrait. Ah, les Kinglors semblent agités.
Nous les avons recueillis depuis que leurs fleurs se sont refermées, mais ils sont trop nombreux. Ka'Nat préférerait qu'Etoua se consacre entièrement à leur bien-être. Mais cet enfant fait de son mieux. Allez, concentre-toi. Ka'Nat devrait voir qu'il te reste quelques talents Na'vi. Et j'aimerais aussi en être témoin. D'accord. Alors, pour ça, il faut que je fasse du crafting. Je fasse ça, je crois, fabriquer. Bien. Va montrer à Ka'Nat comment tu as mêlé ton style au nôtre. Comme le faisait ton peuple autrefois. N'aie pas peur de lui. Il aboie plus qu'il ne mord. Je te rejoins après. Ka'Nat, c'est lui ou c'est pas lui? Manger est le plus grand plaisir de la vie. Est-ce qu'il a menti? Allez, viens manger. Non mais c'est en haut, frère. Comment il faut pour monter? Jure, frère, c'est un bâtiment, genre. Waouh. Oh non, c'est beau. Mais en fait, on n'a pas le temps de voir tout ça dans le film. Ou dans les films, il n'y a pas ça, non? Normalement. Je suis impressionné. Du coup, je vous fais un petit home tour ou un petit wood tour, si je puis dire. Ah non, mais là, c'est dehors, ça. C'est compliqué. Ah, c'est par là. Moi, j'avais même pas remarqué. C'est normal, ça. Ils se disent normal. Oh, mais c'est dingue. Non, la DA. Je suis inquiète et tu devrais l'être aussi. Allez, bon. Moon, ceux qui viennent du ciel sont partout, tu le sais bien. Bon, j'ai d'autres trucs à faire, rien. Je reviendrai après les raids, là, je... Mais si, essaie de mélanger le nectar avec un peu de jus de fruits à coque. Oui, d'accord. Pressé ou en grattant la pulpe? Nefika a bien travaillé. Tu ressembles au Sarentu que nous connaissions. Ah, tu doutais avant. La perte des tiens nous afflige. Leur conseil nous était précieux. Mais nous savons que tu n'es pas ici pour transmettre leur sagesse. Ceux qui viennent du ciel. La résistance les combat, mais elle a besoin d'aide. C'est la raison de ta venue. Tu te présentes dans notre arbre maison. Même toi, tu dois ressentir sa chaude étreinte. Et tu me demandes de prendre les armes? Non. La guerre est déjà là. S'il te plaît. Les Aranae ne cherchent pas le conflit. S'il te plaît. Et pourtant, tu viens nous exhorter au combat. Te souviens-tu de ta famille? Un peu. Ma mère. Son sourire. Sa chaleur. L'as-tu vu mourir? A-t-elle souri une dernière fois, essayant de te rassurer? As-tu vu la lueur d'Ewa quitter les yeux d'un être cher? Eh bien, je vois que tu as fait forte impression. Ka'Nat ne s'énerve pas facilement. Prends garde, Ma Yaontu. Je ne voulais pas le mettre en colère. Ne désespère pas. Tu devrais aller au sommet de notre arbre. Oui? Notre Tsai qui est revenu. Oui. Comme ça, après, tac, avec un petit oiseau, là, non? Allez, on attend ça, frère. Tu t'es surpassé. La viande était tellement juteuse et les bêtes cuites juste à la bonne température. Ils sont là, ils parlent de cuisine et tout ça. C'est trop mignon, frère. Waouh, sa grand-mère. Oh là là, je peux monter sur toi? Non, me rejette pas, frère. Parce que là, si je tombe, je suis foutu. Avant d'être professeur, j'étais le chasseur le plus talentueux des Aranahe. C'est lui qui parle. Bonjour. Bah, bonjour. T'avais pas l'air de me parler, mon ref. Ta petite bouche, elle était un peu fermée, mon ref, non? Waouh. Et là, je me prends claque sur claque. C'est beau. Les Kinglor sont tourmentés. Autrefois, la forêt leur appartenait. Les Sautoutés les ont chassés, j'en suis certaine. Il ne reste que ce nid? Oui. Et les Kinglor sont vraiment trop nombreux. Ils affaiblissent notre arbre. Ah. Tu vois,
La reine prend bien soin d'eux. Elle les protège. Elle est née en sachant déjà quoi faire. Comment les guider. Elle sait quelle est sa place. Comme l'a toujours dit ma mère, un cœur assuré fait des ailes solides. Elle a toujours su les apaiser. Je la trouvais ici à l'aube, à s'occuper d'eux, à chanter pour eux. Son amour les nourrissait. Ne t'inquiète pas, ils ne sont pas méchants. Les Kinglors sont de nature tranquille, mais ils ne sont pas dociles lorsqu'ils sont menacés. Leur piqûre est vive, et les seins restent unis. Nous devons piquer, nous aussi. Et tout, où est-il? Ton père souhaite lui parler. Il n'est pas revenu. Il faut prévenir Katnat. Attends, ce n'est pas nécessaire. Nous allons le retrouver ensemble. Notre peuple a besoin de sa Tsahik. C'est moi qui vais m'en occuper. Laisse-moi l'accompagner. Tu m'as déjà aidée. Maintenant, c'est à mon tour. Ils ont besoin de toi ici. Là où je dois être. Bon, je pensais qu'on allait serrer la main, quelque chose. Ça me donnerait un oiseau volant. Il y a un camp de chasse dans la forêt, près des falaises. Vefilou va aller chercher Iitou là-bas. Bon. Les reis, je vais devoir mettre fin à l'épisode ici. Je vous cache pas, je suis éclaté. Ouais, parce que cette nuit, j'ai pas trop bien dormi. Mais bref, peut-être ça se ressentait pas, je l'espère. En tout cas, j'ai pas encore volé, frère. Moi, je voulais comme ça. T'as capté. Donc, peut-être vous me reverrez sur ce jeu pour ensuite t'as capté. Bref, si vous avez kiffé, petit like, petit commentaire, prenez soin de vous. J'espère que vous avez kiffé 2 heures quand même. Quand même, c'est pas un, je vous ai pas donné un petit truc. Allez, tiens, 10 minutes comme ça. Bref, prenez soin de vous, je vous dis au revoir. Peace. Hey, ouais.